Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler ce soir du match qui s'est déroulé cet après-midi entre Chelsea et Liverpool pour la FA Cup, la finale de la FA Cup. Une maîtrise du jeu côté Chelsea, beaucoup d'envie, une volonté d'ouvrir le bloc de Chelsea. Drogba qui revient dans la zone de son équipe, tandis que Liverpool joue avec un faux rythme. La tactique de Liverpool ne fonctionne pas hein, vraiment. On a vu Agger. J'ai lu sur Célèbre qui disait from the half, c'est-à-dire il faut les arrêter dès le milieu de terrain. Chose que qu'ont pas fait le milieu de terrain, les joueurs du milieu de terrain de Liverpool. À la 11e minute, Mata toujours au bon endroit au milieu de terrain, qui lance Ramirez sur le côté droit, qui arrive à faire la différence sur Agger. La chose qui est étonnante, c'est que Ramirez arrive à ajuster son tir parfaitement. Il met le pied d'appui qui est le pied gauche et il arrive après une course, je pense, de 60 ou 65 mètres, il arrive quand même à ajuster son tir parfaitement. Il n'y a que les grands joueurs qui arrivent à le faire. Bravo Ramirez. Côté Liverpool, beaucoup de lenteur dans les transmissions. Lors des rares contre-attaques, le porteur du ballon ne choisit pas la bonne solution. 38e minute. J'ai juste souligné un cas où je voulais féliciter Drogba. On le voit revenir, défendre sur le deuxième ballon à la 38e minute. Puis là, il la passe à Mata, qui lui lance Drogba et tire juste pour vous montrer l'effort. Il revient sur un deuxième ballon dans sa zone. Il la lance à Mata. Mata lance à Drogba, il fait l'appel et il arrive à tirer. Il arrive à créer le danger en partant de très très loin. Là aussi, il n'y a que les grands joueurs qui arrivent à le faire. Voilà tout ce que j'ai souligné par exemple, pour cette première mi-temps. On rentre directement dans cette deuxième mi-temps sans transition comme d'habitude. On voit Liverpool qui rentre avec beaucoup de volonté, à ma grande surprise. Dans les combinaisons, il n'y a pas beaucoup de lenteur. Au contraire, il y a de la vitesse. On met le turbo. Les joueurs qui font les combinaisons, c'est-à-dire à gauche, Downing, que ce soit avec Downing. Ou à droite, on remarque qu'ils sont dans le bon tempo avec Suarez. Voilà, mais derrière, on n'est pas vigilant. Au moment où j'écrivais cette phrase pendant que je regardais le match, effectivement, il y a le but qui est venu à la 52e minute. Lampard qui s'est trouvé derrière le dos du milieu de terrain. À ce moment-là, le défenseur. Quand il y a un joueur qui est derrière le dos du milieu de terrain, la ligne du milieu, le défenseur ne sait pas s'il faut avancer, reculer, fermer, couverture, faire quoi. Lampard a eu l'intelligence en moins d'une seconde de feinter en même temps passer à Drogba, qui se trouvait parfaitement démarqué et qui marque donc ce deuxième but pour Chelsea. On se rapproche de la FA Cup. Après Chelsea, je les ai trouvés moins compacts, manque de fraîcheur physique sûrement. 64e minute, but de Carroll. On peut dire que le coaching, on peut dire que le coaching était bon d'entraîneur de Liverpool, vu que Carroll est rentré. Et donc il fixe Thierry. À ce moment-là, quand il fixe Thierry, il est sur ses jambes, sur ses appuis. Il peut pas trop bouger, il peut pas faire le geste qui est parfait. C'est facile de le feinter. Et après, c'est très facile de marquer. C'est ça le travail, le bon travail, c'était la fixation. Lors des 20 dernières minutes, on a vu que Liverpool avait beaucoup de bonne volonté. Et ils précisent, ils étaient là sur tous les domaines, surtout sur les centres. Je les ai trouvés bons. En première mi-temps, il y avait un seul joueur à l'intérieur de la surface de réparation. En deuxième mi-temps, il y avait la présence de deux joueurs, plus un qui était en retrait pour le deuxième ballon. Et il le gagnait souvent. Donc ça, c'est très très important aussi. 82e minute, Carole, est-ce que le but est rentré ou pas? Est-ce que le ballon est rentré ou pas plus tôt? Alors franchement, quand il y a des doutes comme ça, l'arbitre, faut pas qu'il siffle. Faut pas qu'il siffle. Avant, dans les années 80, on disait aux arbitres, quand il y a le moindre doute, sifflez. Maintenant, s'il y a un doute, ne sifflez pas. Et puis, ça fait partie, je pense, de la beauté du football, les petits doutes.
Donc c'est ce qui donne un petit peu de beauté. Bon, c'est vrai que quand on est du côté du perdant, on a ce sentiment d'injustice. Mais en même temps, je pense que ça fait partie de la beauté du football, ces petits doutes. Voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué pour ce match. Vous pouvez rejoindre ma page qui se trouve là, commentaire de foot. Et voilà, faites tourner ma vidéo et aimez ma vidéo sur YouTube. Et vous pouvez vous abonner aussi. Voilà, n'oubliez pas que commentaire de foot, c'est le foot et puis c'est tout.